À l'occasion de la Saint-Sylvestre, la Fondation Congo Assistance, Antenne de Pointe-Noire a distribué des kits d'aliments aux personnes du troisième âge. L'événement, organisé le 31 décembre 2018, en fin de matinée, a eu pour théâtre le siège social de la dite fondation sous la bannière de la responsable de cette antenne locale, Félicité Diop Meno Chilumbu. Au nom de la présidente de la Fondation Congo Assistance, Madame Antoinette Sassou Nguesso, la responsable de l'antenne de Pointe-Noire s'est adressée à ses vénérables invités en ces termes. Aujourd'hui, 31 décembre 2018, jour de joie, parce que nous recevons nos pépés, nos mémés, nos papas et nos mamans pour partager avec eux le repas de fin d'année et formuler pour eux les vœux de santé et de bonheur. La Fondation Congo Assistance de Madame Antoinette Sassou Nguesso a toujours travaillé dans l'accompagnement des personnes du troisième âge. Surtout que Madame la Présidente, vous le reconnaissez, est très sensible aux questions des personnes âgées. Et c'est toujours sur son instruction que sa fondation de l'antenne Pointe-Noire-Puilou rassemble ce jour près de 400 personnes âgées pour partager ce moment de convivialité, de joie, de fraternité et de solidarité. Vous allez recevoir des kits constitués du riz, du poisson salé, de l'huile, de la sardine, des spaghettis, du savon, un pantalon et une chemise pour les pépés et un pain pour les mamies. Pour terminer en beauté cette année. De suite et peu avant la distribution des kits de nourriture, les pépés et mémés, sur initiative de Diop Meno Chilumbu, ont esquissé quelques pas de danse avec des réminiscences du boucher. Enfin, les kits de nourriture ont été distribués aux vieillards sélectionnés dans les quartiers et confessions religieuses sur fond d'agape.